Vraiment, le froid est grave. Le froid, je vous dis que non, le froid est grave. Je suis venu fumer une cigarette ici, là, derrière. Il y a le soleil, mais il y a le froid. Hein? Je suis là. Je suis venu derrière. Je suis venu derrière ici, là, parce que j'étais en train de fumer le système. Donc, comme j'ai terminé de fumer le système, là, je ne voulais pas que l'odeur reste à la maison. Tu sais qu'en journée, là, les gens passent, les gens ont les nez comme les museaux. Les gens ont les nez comme les museaux. Ils sont là, ils sont en train de voir ce que tu fais. Donc, je suis venu fumer le système ici, là, derrière. J'ai bien fumé ça jusqu'à... Voilà, ça là-bas. La maison est là-bas, de l'autre côté. Loin là-bas, derrière. Je suis derrière. Je ne suis même pas devant même. Donc, je suis venu derrière parce que derrière, ici, là... Maman, les gens qu'on a donné les appartements, ici, là, derrière, souffrent des... Si tu n'as pas la voiture ici, là, tu es morte. Tu es complètement morte. Je vous dis la vérité. Tu vas d'abord marcher pour arriver là-bas. Mais seulement ce qui est bien ici, là, chez nous, toutes les entrées sont possibles. Et on a la sécurité partout. Il n'y a pas de sortie. La seule sortie, elle est par le devant. Bon, les sorties du derrière, avec le portail électronique. Donc, bon, les gens qui ont les maisons un peu, tu vois un peu. Donc, voilà, je suis ici, là, derrière. Je suis venu ici, là, aujourd'hui. Je suis en train de rire. Je suis là en bon système. Voilà le système là. Je suis là en bon système. Pour venir ramasser ces chiennes. Pour venir ramasser ces grosses chiennes. J'ai dit de, je légalise l'homosexualité. Dites ce que vous voulez dire. Je légalise ça. Baisez-vous. Baisez-vous, sucez-vous. Je légalise ça aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Il faut que les hommes qui se cachaient là, qui baisaient les PD en cachette, les femmes qui se cachaient là, qui partent voir leurs copines, entre guillemets, qui se cachaient là. Maintenant, je vous légalise ça. Je légalise l'homosexualité, je légalise le lesbiennage, je légalise le baise au cul, le bangala au cul, tout dans le cul. Je légalise tout aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un direct de ça. C'est indirect que même quand tu restes comme ça là, tu dis seulement que hé, hey, maman, la part-ci. Je vous dis que vous là, vous n'êtes que des pauvres idiotes. Vous n'allez pas me freiner dans la vie. Vous n'allez jamais me freiner dans la vie. Je vais toujours continuer à baiser avec mes hommes et baiser avec les femmes. Je baise aussi les femmes. Si elle veut que je la fasse jouir, je vais la faire jouir comme il faut. Je vais la faire jouir. Je la fais jouir. Ça veut dire que je la mange bien le cul. Je la mange le cul. Je la mange encore le clitoris avec ma langue. Non, vraiment. Avec ma belle petite bouche là, je te mange le clitoris en faisant ça. Vraiment, tu vas aimer. Tu vas vraiment aimer. Et maintenant, pour l'homme, pour le garçon, si c'est pour toi... C'est le vieux métier de depuis. C'est pas un métier de maintenant. Si c'est pour les hommes, non. C'est pas un métier. C'est pas un job. C'est pas un job de maintenant. Hein? Je te suce depuis. Hein? Je peux compter combien d'hommes qui m'ont joué à la bouche. Les hommes m'ont joué à la bouche. Est-ce que je peux compter les hommes là? Je ne peux pas compter les hommes là. Mais si c'est pour toi, Langa, tu me payes parce que mon bangala ne se vend pas. Tout ce que vous dites là, tout ce que vous parlez là, que vous dites que... Hé, hey, maman, le collant, la maman. Donc, je comprends. Donc, elle a un petit bangala. Ah oui, je comprends. Elle a un petit bangala, je comprends. Et je comprends pourquoi elle n'aime pas les femmes. Et donc, c'est vrai. Donc, elle a un petit bangala. Tentez ce que vous voulez tenter là. Venez comme vous voulez venir. Venez bien. J'aime quand on cogne sur le feu, j'aime quand on cogne sur le cul, j'aime quand on cogne sur la chatte. Venez comme vous venez, parce que vous ne savez pas là où ce que vous êtes en train de tenter de venir là. Hein? C'est comme si on m'appelait la police ici, là, avec ces traîtres-ci. Oh mon Dieu. Vraiment, la vie ici, hein? La vie des États-Unis ici, là. Si je vois encore quelqu'un ici, là, je vois encore un système bizarre ici, là, dans cet appartement-ci, je vais trahir. C'est la police, c'est mon téléphone que je vais prendre. Je dis, venez, oh, quelqu'un est en train de mourir ici, là. Je ne peux pas vous donner des informations sur parce que je ne parle pas anglais. Venez. Je suis là aujourd'hui. Lorsque j'ai fumé, là, je me déplace un peu, je parle là-bas au fond. J'espère que non, il n'y a pas les gens qui habitent là. Je vois les mamites à l'intérieur là-bas. Vous allez m'excuser le bruit, mais je suis venu derrière. Hein.
Si c'était à la maison, vous avez fait que je fais le tapage. M'assois ici là. Là, vous me voyez clair, non? Ah, maman, il y a encore journée morte aujourd'hui. Demain, journée recommence encore. Aujourd'hui, c'est journée morte. Hier, c'était journée morte toujours. Demain encore, ça recommence encore, monter, descendre. Hein? Vous venez me parler? Les qui me parlent? Les qui s'adressent à moi? Les qui s'adressent à moi? Je vous dis que je suis venu ici là pour légaliser l'homosexualité. Votre histoire de Cameroun que vous parlez là, où c'est Cameroun, où c'est ciel, où c'est paradis, c'est votre problème là-bas, c'est dans vos oreilles. Le jour que je vais entrer au Cameroun, je n'ai pas besoin de taper les tam-tams. Je entre là-bas dans Fioup et puis je ressors de là-bas. Hein? Si vous voulez des problèmes sur la terre, si, ou si vous voulez des émeutes, venez provoquer New Bell. New Bell va bien vous accueillir. Venez provoquer New Bell. New Bell va bien vous accueillir. Pour les enfants natifs de là-bas et les familles natives de là-bas, ne tentez pas le côté là. Vous allez rester. Vous connaissez le quartier qu'on appelle New Bell. Ça vous en dit quelque chose. Je suis bandite jusqu'à... Je suis Waka. Le genre même que, non, que vous n'imaginez pas, le genre que vous ne pensez pas. Je suis, ça veut dire que... Quand je dis que je suis... Ça veut dire que j'aime marcher. J'aime marcher. J'ai fait des choses. J'ai tellement fait. J'étais une déesse. J'étais une déesse au Cameroun. J'ai toujours été même une déesse, une reine, une queen. Une queen. Pour certaines personnes là, au Cameroun là. Hein? C'est le Gabon qui a été... C'est le Gabon qui a été... Eh maman, mes mains sont seulement le banga. Eh mon Dieu, j'espère que le chewing-gum que j'ai mis sur la bouche ici là. Les gens, c'est moi, appelé. Comment la police là vient encore passer ici là? Tu vois? Ils viennent encore passer ici là. Comment ça se fait-il que l'on passe ici? Vous venez voir quoi? Ils veulent être sûrs. Mais il y a le paquet de cigarettes à la main. Bon, là à l'intérieur, il n'y a que mes 4 bâtons de cigarettes qui me restent. Voilà ça ici, là. Donc, ils n'ont qu'à venir. Il n'y a pas de preuve. Même s'ils viennent là. Moi, je vais d'abord lui dire que moi, I'm not speaking English. Je parle anglais. Comme ça que je vais commencer à les parler. J'ai dit, il y a quoi? Il y a quel problème? Maintenant, quand le traducteur va venir... Quand le traducteur va venir maintenant, quand le traducteur va appeler, il dit, mais demandez à vos policiers là que moi c'est comment. Moi leur pays, là, moi je ne connais pas. Hein. Moi, je... Wouh! Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Ouais. La caméra, si je peux effacer ça. Hein. J'espère que vous n'avez pas vu. Vous n'avez rien vu? Vous n'avez rien vu? Les filles, vous les filles là, vous les femmes, vous ne savez pas que votre tote là ça sent, que ça numba. Bon, j'ai gâté mes femmes, je ne veux pas les mettre mal à l'aise. Hein? Enlevez aussi vos enfants là qui ont les grosses têtes là, on dirait les têtes de maquereau là, enlevez-les. Je n'ai appelé personne ici là, c'est déjà la nuit chez vous non? Chez nous ici là c'est la journée. Comme vous avez commencé votre journée là-bas, vous avez passé toute votre journée, vous avez tout fait. Donc laissez-moi faire tout ce que j'ai envie de faire. Parce que moi, c'est encore la journée ici-là. Si vous êtes des fantômes, que vous partez en vampire la nuit, restez avec vos nuits là-bas. Moi, je suis en journée. La journée dit que la lumière. Je ne suis pas dans le noir. Maman, avec les torches, tempêtes et les lumières électriques. Moi, c'est la lumière naturelle. Ça éclaire dans toutes les maisons. Donc, je ne suis pas dans le noir. Mes petites, placez-vous bien. Est-ce que vous ne savez pas que non? Vos fesses là, ça sent. Il faut même que je change le titre après. Je vais mettre les fesses de filles de toutes les personnes qui m'insultent, qui viennent se mêler de mes choses. Vos fesses là, ça sent. Est-ce que vous lavez bien? Est-ce que tu laves bien? Ou bien tu prends seulement l'eau, après tu tapotes un peu là. Tu tapes. Hein? Quand tu tapes un peu là, tu te dis que non, que tu as lavé. Tu dois mettre le doigt là-bas. Parfois, ça peut faire un peu mal, oui. Mais pas un mal que vous voyez un peu le genre de mal. Hein? Donc, c'est pas... tu as le mal avec une sensation, en fait, bizarre, voilà. Une petite douleur. Une petite douleur coquette, voilà. Parce que les douleurs, elles sont très différentes. Celle où on te met des doigts, celle où on te suce... Celle où on te lèche, voilà, te lécher, te linker. I'm link pussy. I'm like link pussy. Donc, j'aime lécher le cul,
les fesses, l'haricot. Hé, maman, je suis entrée hier dans les trucs porno là. Sur les histoires de porno sur le net là, maman. Oh mon Dieu, j'ai été traumatisée. J'ai été traumatisée avec ce que j'ai vu. Il faut pas que je voie les fesses des femmes comme ça. J'ai été traumatisée. Je pars toujours chez les hommes, mais chez les femmes. Oh mon Dieu, c'est dégueu. C'est très dégueu. C'est dégueulasse. Oh mon Dieu, c'est très dégueu. J'espère que j'ai pas été maudite parce que j'ai vu les fesses des femmes, des blanches et des noires qui représentent noir et black. Mais maintenant là, j'ai vu les fesses. Il y avait d'autres lèvres qui faisaient comme si ça tombe. L'autre lèvre est là-bas à gauche, l'autre lèvre est là-bas à droite. J'ai dit, maman, celle-là, c'est comment? On l'a trop baisée, ou bien elle est née comme ça. Ou bien c'est les gros calibres que non qu'elle encaisse dans le cul là, qui l'a fait grossir le truc comme ça là. Pourquoi ma tête est plate? Ma tête est dans ton cul. Tu as compris, non? Ma tête est dans ton cul. Dans ton gros cul. Imbécile, va. Ma tête est plate. Toi, ta tête est quoi? Ta tête est quoi? Le mimamimbin, hein? Les gros noyaux de ton grand-père. C'est comme ça que toi, ta tête est. Aminata Savadio. Imbécile. Regarde-moi une Aminata Savadio comme ça. Pauvre chienne. Timlona. Timlona Mbomungona. Chacun a sa tête, non? Moi, ma tête encore même, ça va même. Moi, oui, j'ai une grosse tête. Oui. J'ai ça. J'ai une grosse tête. Et puis alors, vous avez vu vos têtes? Hey, maman, faisons le concours. Allons-y au salon de coiffure qu'on nous enlève tous les cheveux. Boule à zéro. Hey, boule à plate. Tu comprends? Et c'est comme ça. Tu n'as pas besoin des trucs, je sais pas comment on appelle ça. Tout dépend. Il y a des gens qui passent à côté de moi. Attendez d'abord un peu. C'est comment alors? Pardon, attendez d'abord. Après, on va continuer à parler. On les a sifflés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'espère qu'on a vu. Attendez, attendez, attendez. Hein? J'étais où? Pardon, j'ai oublié. Les gens s'y m'ont embrouillé. Remettez-moi un peu. Monde, attendez un peu. Remettez-moi un peu à la page. Je me suis arrêté où? Remettez-moi la page. Ils sont en train de passer là parce qu'on les a dit que c'est sûr que non. Il est en train de prendre quelque chose là-bas. Peut-être ils se sont dit que peut-être moi je ne prends jamais ça à la maison. Vous voyez un peu le système, non? Alors que c'est même dans la maison que non, tout se passe. Des beaux garçons ici, dans ma cité-ci. Il y a des très beaux garçons ici. Ceux-là qui viennent passer là. Il y a de très beaux garçons ici. Le pavillon-ci là. Je ne viens jamais ici là constamment parce que j'ai peur que peut-être je ne sais pas, on va sortir à gauche là, mon frère. Donc j'ai toujours peur. Hein, j'étais où? Voilà. Les filles. On vous baise trop. On vous baise trop. Parce que j'ai vu les exemplaires de vos culs. J'ai vu que non, beaucoup d'entre vous là, vous qui m'insultez ici là, vous qui avez mon temps, hein? Allons faire les boules à zéro. Vous avez dit que j'ai une grosse tête et tout. La grosse tête là est où? Mais tout va avec mon visage. Tout va avec mon visage comme ça va aussi avec mon corps. Je suis très beau, hein? Franchement. Je suis très beau. Je vous dis la vérité. Je suis aussi très belle. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose que non que je me vante ou bien que je me jette les fleurs. Hein? Si c'est pour le charme là.
Si c'est même la femme là-même que non, que je veux draguer, je drague et ça passe tout de suite. Ça n'a même pas de midi à 14h. Mais c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Alors vous les filles là, qui me suivez, qui avez mon temps ici, vous n'avez rien à faire de vos vies qu'à attendre que non, votre grand-mère va terminer de bouillir le manioc aujourd'hui là pour que vous puissiez manger. On vous a dit que je suis à ce niveau là. Je ne suis pas à ce niveau. Non, 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 non. Ce qui s'est passé hier là, je ne suis plus là-haut. Ce qui s'est passé hier là où on a dit que non, Annabella commande, Annabella demande ceci. Je vous demande quoi? Que vous avez d'abord quoi? Vous avez quoi? Hein? Parfois j'écris à une petite idiote, je lui ai dit, essaye un peu de m'envoyer un peu 200 euros là-bas. Elle commence à pleurer, elle commence à dire comment elle a envoyé des factures, comment elle a envoyé des on appelle comment, les conteneurs. Comment elle a, parfois même d'autres qui trouvent les deuils au moment où tu lui demandes de l'argent. Hein? Mais ce sont des petites filles parce qu'une personne qui a, ne bavarde pas. Quand je contacte, allô, bonjour, ça va? C'est Annabelle, j'ai besoin de 500 euros. Ça vient tout de suite si la personne a. Et si la personne a de l'estime pour moi et qu'il m'aime. La personne va envoyer, ne va même pas chercher que non. La personne va envoyer. C'est le pourquoi moi je vais toujours vous dire que non. Même quand ça va mal, il y a quelqu'un toujours qui sort de nulle part, qui me contacte. Toujours. Encore un autre garçon. Il est connu même. Il est venu garer ici. La voiture est passée. Il a garé juste à côté de moi. Il me connaît bien. Lui sait que je suis un homme. Je n'ai rien à craindre avec lui. Il n'y a rien à craindre avec lui. Donc ça veut dire que dans le joint que j'ai laissé là-bas, le truc que j'ai laissé là-bas, le mégot que j'ai laissé. Le mégot que j'ai laissé là-bas, il faut que je ne pas faire disparaître là. Parce que c'est à côté. Et j'ai peur que les gens là peuvent venir chercher ici après. Oui, j'accepte. Je demande. Ça te choque où? Mamie Sabitou, papa Sabitou. Toi qui n'as jamais demandé, imbécile, va. Donne-moi un chien, pensez comme ça. Gros chienne. Oui, le litchi, le PayPal, j'aime ça beaucoup. Et on m'envoie toujours, hein. Oui, on m'envoie toujours. On m'envoie toujours. Lorsque vous arrêtez, la vie continue. Vous pensez que non, la vie reste seulement là, que non, vous voyez Annabelle sur la caméra et puis Annabelle cause comme ça avec vous. Non, pas du tout, hein. Non, c'est pas comme ça. La vie continue. Je cause avec des gens aussi. J'ai des gens aussi, mes chéris. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Ah, c'est journée morte. Je suis à la maison. Comment je peux faire pour faire disparaître le truc là, ici, là? Faut que je le calcule vraiment. Parce que les deux, là, je les connais. La sécurité d'ici, et je les connais. Mais eux-mêmes, ils prennent leur drogue là-bas. Je ne parle pas. Je connais tous les fonds. Ici. Il suffit seulement qu'on nous fasse des tests et puis on va découvrir lesquelles drogues qu'on porte sur nos corps. Parce que moi je les connais très bien. Donc quand ça serait ça, voilà, je vais faire disparaître les gens. Ouais, je vous dis la vérité. Aïe! Attendez, oh, ma bouche. On va entrer. Ils ont quelques preuves. Moi qui a filmé ça là. Pas se faire foutre. Ils ont quelques preuves. C'est un mégot.
attendez, on entre. Ça vous étonne, hein? Que nous sommes la journée. Et vous êtes la nuit. Vos yeux regardent trop. Vous aimez tout voir. Je vous cache ici aujourd'hui. Imbécile comme ça. Attendez, je rentre à la maison. Imbécile. Pauvre connasse. Je vais écrire tout ce que je veux. Tout ce que je veux mentionner dessus, je vais le faire. Bon. Il y a des choses. Hein. Ah, je savais. Attendez, oh, pardon. Ils sont allés mettre. Oui, maman, je suis passée devant eux. En plus, j'avais l'odeur sur moi. Mais j'ai mis du temps dehors. Là, je veux même pas les saluer. Personne. Chacun fait sa vie. Oui. Ah, ça va, je suis arrivé. Parlez encore, non, vous ne parlez plus. Vous n'écrivez plus. Tout le monde sait que je suis allé fumer le banga. Ils ont les preuves. Ils ont allé se faire faute. Vous avez prouvé de ça. Hein? Tu es en plein love de quoi? Ou de qui? Hein? Tu es en plein love de qui? Ou de quoi? De quoi parlons-nous? On était où? Hein? De quoi nous parlons? On était où? Vous ne parlez plus. Tu ne veux pas montrer tes pieds parce que tu as souffert des chics, c'est ça? Vous êtes malade, franchement. Vous êtes malade, franchement, vous êtes fou. Facebook. Appelez un peu en vidéo là. Il n'y a pas les hommes là qui veulent causer avec moi. Le PD là qu'on appelle Kaba, il n'est pas là. Parce que lui ne manque jamais dans mes choses. Il s'appelle si c'est Kaba Mou ou c'est Kaba quoi là. Il n'est pas là. Et Irma Bernice, que les gens se moquent de ma tête ou pas. Où est le problème? Tu veux encore que je te bloque? C'est ça que tu veux ma chérie? Tu veux que je te bloque en vitesse, sans même avoir même le temps de réfléchir, Irma? Je pense que j'en avais déjà terminé depuis avec toi, parce que je savais que toi, tu n'es qu'une traître. Ouais, tu n'es qu'une connasse, voilà, une idiote. Que j'ai cru que c'était quelqu'un de civilisé. Je me demande quel genre de titre que tu fais là-bas au Maroc. Tu ne trouves pas que tu perds du temps avec des trucs que tu fais là-bas? Tu as un bébé, tu as un ceci. Voyons voir l'évolution de cet enfant. Et qu'est-ce qu'il deviendra?
tout en venant me ouvrir tes grosses mâchoires ici, là, tout en venant me dire que ce que tu es en train de me raconter. Tu me racontes, toi et moi, les camarades, depuis quand? Je ne suis pas dans tes bêtises là. Je te bloque tout de suite là. Si tu continues encore à écrire là, si je tombe encore sur tes commentaires là, je te bloque sans réfléchir. Donc, comme tu es en train de te laver là, attention de ne pas avoir la serviette. Tu peux sécher toute seule. Attention. Je ne suis pas dans des bêtises. Je ne suis pas dans des balles à 2 balles là. Ou dans les camps à 4 balles. Je ne suis pas dedans. Ne me prenez pas pour votre moins cher parce que je vous laisse ici là le pourparler où tout le monde va dire tout ce qu'il veut. Je ne suis pas une ramasseuse de poubelles. D'accord? Continuez à baiser là-bas avec tes frères blacks là-bas au Maroc et en faisant quelques pipes aux Marocains. Laisse-moi tranquille. D'accord? Et ne reviens plus ici là pour me montrer ta grandeur d'esprit que tu es tellement de sainte et n'y touche alors que toi-même tu es dedans. Donc attention. Prochainement, je vois encore tes commentaires. Je vais te bloquer. Ou si je lance l'œil, je vois ton soi-disant profil que tu as mis là. Je te couperai la tête et tu vas rester spectateur. Dans toutes mes pages y comprises. J'espère qu'on a été clair. Bon, allons-y. Est-ce qu'il y a encore une autre idiote ou un autre idiot qui est là? C'est quoi mon métier? Tu me demandes que non, c'est quoi mon motif? C'est ton problème? Est-ce que c'est ton problème? Quand je vais dire que poser les questions, vous allez poser les questions. Maintenant, quand tu viens me demander que c'est quoi ton métier? Mon métier, c'est de baiser toute ta famille, tous les membres de ta famille là. Jusqu'aux petites cousines de la troisième génération. Donc, les sœurs de la sœur et des enfants de cette grammaire-là. Sucré, salé, sucré. Je danse. Je suis ta danseuse. Ferme-moi le cul, hein. Ferme-moi le cul, hein. Tu as compris? Danse. Imbécile. Danse. Personne, la personne, personne dans le cul. Tu m'adores? Tu as fait quoi pour moi? Tu m'adores comment? Je suis Dieu. Hein? Je suis la Sainte Vierge. Tu m'adores. Comment tu peux adorer quelqu'un? Comment tu peux adorer un être humain? Tu m'adores. Qu'est-ce que tu as fait pour moi dans ma vie? Adore, adore, adorer. Continuons, je suis en train de lire les commentaires, hein. Les vidéos envoyées, je vois vos invitations là. Mais je vais me déplacer pour une bonne fois. Je ne me déplace pas comme ça. Pôle emploi. Elle se pôle emploi. Mais il faut finir les mots. Tu as peur? Finis les mots? Pourquoi tu ne finis pas? Vous vous transformez en faux profil ici là pour venir m'agresser, pour venir me dire tout ce que vous avez dans le ventre. Pourquoi vous ne venez pas face to face? Imbécile comme ça. Grosse poitrine, comment? Tu n'as pas la sienne. Hein? Tes 5 mortes que tu as là-bas, ça ne te suffit pas. Parce que lorsque tu es en train de me parler, je suis sûr que tu es une mère d'enfant. Tes seins sont tombés depuis, non? À force que les enfants sucent, les hommes sucent aussi. Ou les seins sont faits pour les qui? Je n'en sais rien. Sharon Bia, ça va? Faut danser, hein? Aïe, aïe, j'ai mal. Aïe. M'avait fini, le gars là m'a fini aujourd'hui toute la nuit ici, le gars là m'a fini. Ouais, moi aussi avec les longues bites là. J'ai toujours mal au bas-ventre à tout moment, à tout moment.
Et pourtant, j'avais dit que je ne prends plus la position. Là, j'ai encore pris la même position. Voilà encore le mal là qui recommence. Il faut que je parte demain chez le médecin. Le mal est en train de persister depuis qu'il est. Mon frère, jusqu'à 6 heures, j'ai même pris des anti-inflammatoires. Aïe. Aïe. Je bois un peu d'eau. Attendez, j'arrive, je bois un peu d'eau, je viens. Baiser, c'est bien, hein? Quand tu jouis, c'est bien, mais après là, alors, il était très gros la nuit. Il était très long. Il était très gros, très long. J'ai pas. Et en plus, il m'a pris comme ça. J'avais les pieds en l'air comme ça. Donc, ça, c'est le direct, ça. C'est le direct. Il était très brutal. Ma mère, il dit, on se l'a dit, on aurait enfermé. Enfermé-les. David, ton invitation ne passe pas. Je n'ai pas vu les commentaires, mais un peu. Attendez, je vois un peu vos commentaires. Désolé. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Qui êtes-vous? Ça va? J'ai demandé que qui es-tu? Qui C'est est le David. Ah, David. Oui. David, c'est qui? Tiens. Je ne connais pas David, moi. Ah ouais? Moi, je te connais très bien. Tu le Oui, connais je très t'ai bien comment? Oui, ça m'étonne, pourquoi pas? Hey, ça me demande pourquoi. Tu le connais comment? Tu le connais où? Et pardon, tu ne me connais pas, pardon. Tu es enceinte? Toi qui as mis. Anna? C'est toi qui as Tu es mis à tout. enceinte? C'est toi qui m'as mis. Non, pas. David, c'est même qui d'abord? Tu ne te connais pas. Pourquoi que je parlais avec toi comme si on se connaissait? Je ne te connais pas, hein? Tu parles à une star quand même. Ah oui. Qu'est-ce Tu vois les règles ou pas? hein? Tu vois les règles ou pas? Tu es d'abord qui? Tu es qui? Et qu'est-ce que Mais tu dis? réponds-moi d'abord. Tu vois les règles ou pas? Tu peux répondre à ma question? Ben, c'est David, Jérôme. Je suis à Paris. Anna, Oui. moi je te connais très bien. Hein, comment tu me connais? Tu me connais pas par contre. Arrête de dire ça, tu me connais pas. Je te connais pas du tout. Ne connais pas. Réfléchis bien, c'est David Jérôme. Jérôme?
Et est-ce qu'on a un ami en commun? Attends, dis-moi d'abord, qu'est-ce que tu as là? Tu es enceinte ou quoi? De quelle grossesse me parles-tu? On a eu affaire au début ensemble. Ben, je vois que tu souffres là. Non, c'est parce que j'ai été trop baisée la nuit. Donc, tu sais, quand la queue est tellement longue, Ah ça fait bon? tellement mal et Oui. ça arrive. Donc, voilà. J'ai pris un Non, peu bon. une grosse queue, une grosse et une très longue, en fait. Ben, va reposer alors. Non, je me suis déjà reposée. Je n'ai pas envie de dormir. Déjà, j'ai eu l'insomnie la nuit avec, tu sais, quand tu finis de faire l'amour et après, il y a des séquelles, il y a des l'anesthésie finie. Et ça commence à jouer son rôle, en fait, de la douleur. D'accord. Alors, dis-moi, on se voit quand? Pardon, qu'est-ce que vous dites? On se voit quand? Toi et qui? Vous et qui, pardon. Ben, comment? Où? On se voit où? Ben, je sais pas. Tu es à Paris? Ben, oui, je suis à Paris. Ben, moi, je suis à Seine-Saint-Denis, donc on peut se croiser, je ne sais pas. Moi j'ai envie de te voir. Hein. Oui, ben, qui sont alors rendez-vous? Quel coin, je sais pas, quel arrondissement tu voudrais qu'on se voie, ou bien, je sais pas, on se voit où? À la Tour Eiffel, je sais pas. Bah, à côté des Champs-Élysées. C'est seulement là-bas que tu as choisi. Ou Je bien te tu vas à donne là où la Tour Eiffel? Non, 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 Tu moi, viens, je préfère. Tu veux Moi? aller à autre fête? Non, 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 non. J'ai pas envie d'arriver là-bas parce que j'ai trop de connaissances là-bas, mais je préfère quand même que nous puissions nous voir à la Concorde Lafayette. J'aime bien cet hôtel-là. Comme tu veux. Oh. Mais est-ce que je peux voir ton visage? Et j'ai aussi une question. Là où je suis, y a pas de lumière. Ok, pas de souci. Ça, on peut encore comprendre. J'ai une question. Oui, je suis. Tu es Vas-y, pédé? allez-y. Tu es pédé? Ah ben non, 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 non. Et pourquoi? Ben laisse-moi terminer d'abord ma pensée avant de pouvoir te poser. Je sais pas. Tu me laisses d'abord finir. Donc, tu n'es pas pédé et puis je t'apprécie. En fait, tu m'aimes, quoi. Comment ça se fait? Comment se connaît? Moi, tu es homophobe? Pardon? Tu es homophobe? Je suis quoi? Homophobe? Tu es un homme homophobe? T'aimes pas les PD? Non, 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 non. Et tu as quel âge? Parce que je sais pas. Tu as quel âge? Et oh boy. Comment? Ben, j'ai 35 ans. Combien? 35 ans. 35 ans. Oh. Ben, c'est la vie. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Tu travailles? Cool. Tu as un boulot? Ben, actuellement, ouais, je travaille. Hein. T'es marié? T'es marié? Oui. T'as des enfants? Oui. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi? Ben ouais, c'est juste. Ben on parle en privé, hein, on parle en privé. Ah, d'accord. Maintenant, je comprends mieux. Ben, si tu voulais le privé, je pense pas que tu viendras au public, à moins que tu t'aies trompé de touche. Pardon? T'avais pas compris? Je disais que ben, si tu voulais du privé, tu viendrais pas au public ici, parce que ici, là, c'est le public. Il y a des gens qui nous regardent et après, la vidéo aussi va se balader. Ou ceux qui n'ont pas vu qu'ils ne sont pas là aussi. Écoutez, Pardon? il y a les choses il y a les choses qu'on va en privé et il y a les choses qu'on va en public, non? Ah, d'accord. Là, maintenant, je comprends mieux. OK. Bon, je tiens déjà. Non, c'est bon. Je pense qu'on a assez fait connaissance pour aujourd'hui. J'ai été ravie de causer avec vous, monsieur Georges, entre guillemets, que je connais pas, qui me connaît apparemment. J'ai été ravie de vous, d'avoir discuté avec vous.
Merci. Vous avez des questions? Bah, apparemment, non. Ben, on va se souhaiter, moi c'est la journée ici, on va vous souhaiter une belle soirée. Je te dis bonne soirée à vous. Ok, merci, c'est gentil. Au revoir, Jean. Tu peux couper? Ben, Ben, on avait terminé. Pourquoi tu es encore resté là? Hey. Toi-même là. Hein. Hey. Oh! La politesse de ça. On se dérape pas la route. Quels sont les imbéciles, les imbécilotes qui sont là? Vous avez profité le temps que je discutais. Vous avez bien écrit des choses que j'ai ratées. Oh, malheureusement que je ne peux pas voir ça tout en direct. Parce que je vois ça toujours indifféré. Après, je vous laisse. Parce que vous avez des commentaires là. Quand je m'assois pour répondre, un. Mais quand je vois ça, vous toutes là, vous n'êtes que des petites mongoles. Les petites lèvres ouvertes, les lèvres mortes, les filles qu'on baise, les lèvres que cela, c'est l'homme vient, il commence à faire comme ça. On dirait le chien, on dirait le chien pantouque. Mon mari, quand il me mange, mon homme, quand il me mange, il me suce d'abord bien. Après, il attrape mes deux boules là. Il attrape ça comme ça. Quand il attrape, il ne vient pas faire à peu près. Il ouvre les deux boules. Quand il ouvre ça bien, et après il mange, il prend son temps. Parfois, je vais reculer par le devant. Je dis, tu sais, quand tu commences à aimer là, non? Tu commences à faire comme si tu ne voulais pas, mais tu aimes. Tu fais comme si tu veux fuir l'homme. Donc, au même moment, il te mange là. Il me tire encore derrière, il me dit, donne-moi ma nourriture ici. Donne-moi mon repas. Si mes djegwem, ni les mes djego, que je mange ça. Et il mangeait bien. Le cinéma que les hétéros nous font là sur les vidéos porno et autres, quelle est cette bêtiserie ça? Hein? Quelles sont ces bêtises là? J'ai vu l'autre mongol, lui il était couché comme ça. Il était couché carrément sur la cuisse de la fille, le cul était là, il faisait seulement comme ça. Il mangeait seulement là. Mon Dieu, la malchance de ça, la malédiction de ça. Si tu aimes ta femme, oui, tu peux le faire, oui, je défends pas, oui, comme moi, mon mari aussi, hein, oui. Mais attends, hein, les hommes sont malades, hein, ils sont malades. Moi, particulièrement, moi, lorsque je vous parle là, quand moi, je dis que je baise avec un homme, toi, la fille, ne viens pas à côté, hein. Tu peux te prendre dans la ratatouille d'ail, comme la blague, même si tu es mon ami intime. Là-bas, je ne joue pas d'ail. Les amis me connaissent sur ce point-là. Quand j'ai un là que j'ai mis à côté là, fait à mon image, fait à tout. Hein? Quand je lui mets à côté là, que je l'ai attrapé là, tu tentes. Tu vas te prendre dans la ratatouille d'ail pour rien. Et en douce même, en riant avec toi. Juste pour te montrer que il ne fallait pas dépasser les étapes. Moi, je ne vole pas les maris des gens. Les maris du dehors, les cognés laissent. Vous connaissez les cognés laissent, non? Tu cognes après, tu laisses. Alors, on s'est retrouvé avec des copines que nous on pouvait se retrouver aussi avec trois garçons qu'on a rencontrés peut-être dans les nightclubs et puis on se fait une partouze, on baise et puis ça passe par là. Parfois, on peut même rebaiser même encore après. Mais les PD, il a rencontré quelqu'un hein, sur le net. Il rencontre quelqu'un sur le net, il dit que mon mari, c'est derrière mon mari, c'est derrière mon homme, c'est mon mari. Il baise avec le gars du quartier, le gars ne lui a même pas dit que l'engagement, c'était seulement que non, c'est l'attirance, on baisait ensemble. Hey, c'est mon copain, c'est mon mari, c'est mon gars. Ton gars où? Après, quand toi tu viens lui demander que, mais maman, le gars là, toi et le gars là, c'est comment? Il est bien, il me dit, ah pardon. On a juste eu une partie comme ça ensemble, il n'y a rien de sérieux. Et pardon, 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 il continue là-bas, pardon. Il va m'épouser, il va me donner quoi? Et pardon, il part là-bas.
Dès qu'il comprend seulement que. Donc, ma copine, tu étais venue me parler cela la dernière fois, donc tu baises avec mon mari, avec mon gars là. Eh, mamie, c'est ton gars. Mamie, c'est ton mari. Mamie, n'est-ce pas, j'étais venue te demander cela il y a peut-être un mois, bien 2 mois. Je t'ai demandé que toi et le gars là, c'est comment tu m'as dit que. Il m'a dit que non, ça ne te poussait pas aussi de partir sortir avec la personne que tu allais sortir. Le Bangalais là, que sa mère avait accouché et puis son père. Le Bangalais là était pour toi seul. Vous étiez mariés. Putain de merde. Attendez-moi, j'arrive. Si vous êtes fatigué, vous partez. Je vais laver ma serviette là. Il faut mettre le cul de manger sur ton cul. Comme ça va grossir. Toi, il faut mettre le bon en moi dans ta chatte pour que les lèvres s'écartent encore plus grosses. Imbécile, va. Mais le gars là, m'a chopé là. Si on allait me faire un rapport. Hey. Je suis sûr qu'ils vont me faire un rapport. Lorsqu'ils m'ont vu derrière là-bas, ils vont me faire un rapport. Je vais les. C'est là alors que je vais les demander, que je vais les dire que. Vous pensez que les gens sont en prison ici là ou quoi? On est dans une prison? Je suis en délit. Donc, dans la concession, on ne peut plus se balader dans notre propre concession, dans la maison que nous-mêmes on paye. C'est ça que je vais leur demander, ça serait seulement tout. Ok, ils vous ont dit, vous m'avez vu. Ils ont des photos, ils ont des preuves. Moi, je vais porter plainte. Hein. La justice ici. Freedom. Il aime toujours venir passer là avec ce chien-là. Un chien galeux comme ça. Chien galeuse. Attendez, je vois un peu. Hé, maman, le gars là va bientôt sortir pour aller au travail. Pardon. Pardon, je ne vais pas arrêter mon mari aujourd'hui à cause de vous. Aujourd'hui, là, mon mari part au travail à 14 h. On a causé le matin ensemble. Sa voiture est garée carrément à ma fenêtre. Donc, c'est rare qu'il gare là. Quand il gare là, comme il a garé le matin d'abord, il est allé chercher à manger, il est revenu. Quand il gare seulement là, je lui dis, bébé, come in. Bon, comme on est déjà habitué, on se connaît déjà quoi. Lui, il est dans l'autre bâtiment là-bas et tout. Donc, moi, je suis à B, lui, il est à D. Donc, c'est un black en fait. Il est un bon Bangala quoi. Voilà. Nous, on baise seulement par plaisir. Quand je suis en chômage là et tout, je l'appelle seulement, je dis pardon. Viens quand même me faire. Viens me faire rire un peu. Donc voilà. Mais on est là comme des frères, on sait qu'on est des frères. Voilà, tout ça. Parce qu'on est black. Vous allez toujours voir que non, les blacks marchent avec les blacks. Si tu vois une blanche ou bien une métisse, bon, c'est une amie, c'est comme ça. Mais on marche le plus souvent, on marche entre nous, hein. Ouais. Mais moi ici, là, je marche pas avec les blacks. À part ma copine sexy. Je marche pas avec les blacks parce qu'ils sont. Ils pensaient qu'on est. Et ils sont en train de penser que nous, on est peut-être trop au pays ici, là. Je les vois ici, là. Ils portent même des pagnes. Les Africains, comme je vous dis, là, ils portent même des pagnes. Les babouches, en plein Downtown, en pleine ville, partout, partout, tu te poses la question que. Je dis, ma copine, ma soeur, tu as vu ce que je suis en train de voir, là? Elle dit, maman, tu n'as encore rien vu, oh. Encore rien vu. Ici, là. Et ils m'ont dépassé. Et t'as dit, donc ici, là, pardon. You are black African? Non, 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 non. I'm not black African. Je nie tout de suite. Je dis non, non, non. I'm not. Black American. Yes. Yes. Oui. Black African comment? Où? You are black African. Tu sens là-bas black African. Mais si c'est un homme qui est beau tout de suite là, tu vas pas réfléchir quoi. Tu dis oui, je suis africain. C'est comment toi tu habites où? Tu es où? Tu parles français. Ah. Et ok, d'accord. Tu habites où? Ok, tu me donnes ton numéro de téléphone alors. Voilà. Ok, donc on se partage. Et tu fais quoi ici? Tu as un travail? Tu travailles? Tu es dans quel quartier? D'accord. Donc on se texte, non? Bon, on fait comme ça, gars. Tu sais que la vie, c'est comme ça et tout, ta 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 ta. Oui, sale noir, j'accepte.
Donc, après vous vous rencontrez, après vous commencez à donner vos rendez-vous. Pardon, attendez. Je vous assure que mon gars, là, je viens me mettre déjà même ma perruque. Parce que je ne veux pas que Naïm me voie comme ça aujourd'hui. Là, il faut que je lui voie comment il part au travail. Il faut qu'il me voie belle. Je viens seulement mettre la perruque là comme ça. Je ne voulais même pas mettre ça. Bientôt, il va sortir. Il part à 14h. Il fait le part-time. Le part-time. Vous connaissez le part-time? Mettez le traducteur là-bas, vous allez voir. Donc, je mets seulement quoi? Pour qu'il me voie. Faut pas que je l'échappe aujourd'hui parce que là, je vais l'attirer le soir, même comme si j'ai mal. Mais si je mets tout le maquillage ici, comme je mets tout le maquillage là, vous voyez, non? Je mets tout le maquillage comme je mets tout le maquillage là. Et après, il sort avec son frère parce que son frère là, il a son frère là. Homophobe. Homophobe. Et il travaille avec son frère. Mais son frère là, je ne lui vois pas depuis hier. Même aujourd'hui, ce matin là, peut-être son frère est parti au Texas ou bien à Dallas, je ne sais pas. Parce qu'ils ont de la famille là-bas, au Texas là-bas. Donc, s'il est avec son frère, j'aurais mis ma perruque pour rien. C'est aujourd'hui là, comme c'est l'après-midi là, il a bien garé, je te dis que devant ma fenêtre. Donc, j'ai dit, bébé, ok, have a good night. Je dis, I like you. Il sort à 14h. Parce qu'il est déjà à 14h45. Il sort toujours à 14h. Ou bien peut-être à 14h30 ou 14h. Maman, nous les bordels, nous sommes quelque chose. Hein. Nous les bordels, nous sommes quelque chose. On connaît même l'heure à laquelle l'homme sort. On planifie. Quand il va venir à 14h et après il va venir à 19h. À 19h, après il va le sortir là, peut-être comme lui il aime les McDo là. Après tu vas le voir sortir. Tout est déjà planifié. Il est très beau, il est très sexy. Quand il me baise, quand il me lèche. Surtout ici là, lorsque je suis ici là. Il avait seulement fermé la porte. Il me dit, non, je ne veux pas de lit. Je veux te prendre ici, là. Je veux que tu regardes le miroir et que tu me regardes dans le miroir. Il me dit que non. Je veux que tu me regardes sur le miroir. Parce que je l'ai vu tout à l'heure là. C'est pas sûr que non, il peut être libre le soir. Parce qu'il m'a dit que non, il n'a pas le temps le soir. Mais je vais encore lui demander. Je vais d'abord lui dire, je vais d'abord l'attirer. Je lui dis, you come to smoke tonight? Je vais d'abord lui demander. Je vais d'abord lui dire s'il va accepter. Parce que lui là. Donc, on était ici là sur le miroir comme ça. Oh non, je l'aime trop. Je l'adore trop. En fait, il est mince comme moi, il est un peu costaud là, un peu dur là, sec là, un jarre là. Donc, il m'avait pris ici là. J'étais seulement ici là comme ça. J'étais ici comme ça. J'étais ici comme ça. Je regardais le miroir et disais. You like it, baby? Yes, fuck me. Aujourd'hui là, je ne rate pas mon mari, je ne lui rate pas aujourd'hui là. On a d'abord causé tout à l'heure là, il me dit, toi, arrête de me déranger. Tu sais que je travaille, donc tu sais qu'on va seulement se voir le week-end. Parce que si c'est pour lui, on peut baiser tous les jours, every day, every time, every hour, every week. I like her. If you like someone, what you need to do? Right?
C'est comme ça. Choise Anna, bloque Mons Tazawi. Ok, d'accord, je vais le bloquer. Mons Tazawi. Même si la vidéo finit, je vais retenir le nom là, Mons Tazawi. Donc, après la vidéo, si Mons Tazawi, je vais te chercher. Je vais te chercher. Parce que je n'ai pas besoin de contourner toute la vidéo. Au fur et à mesure, les gens commentent. Je clique seulement dessus, je tombe sur toute la liste. Je n'ai pas besoin de suivre la vidéo. Mons Tazawi. Ton grand-père, n'importe qui se cache derrière Mons Tazawi, que toute ta famille soit maudite. Ah bon, y'a maintenant, je vois l'homme ici là. Si je rate mon homme ici là, on va plus faire, hein. Je vais plus faire des vidéos ici là. Si l'homme, si le gars là parle, que je lui vois, la voiture là parle. Comme hier ici, là, je suis resté, je n'ai pas mangé juste parce que le temps que moi je viens à la fenêtre, le voilà qui démarrait, il partait. Je pourrais même boire les comprimés, mourir. J'avais envie de tout, ma. Hein. Donc, si le gars là me sèche encore là maintenant, il ne veut pas qu'il me sèche. Je vais faire comme un bébé. J'ai dit, ok, you come tonight. I want to see you tonight. Je lui parle un peu, tu vois un peu, non? Pour qu'ils sentent que la fille là, elle est chaude, elle veut baiser. Tu n'as pas son numéro. Si, j'ai son numéro, mais c'est un jeune là. Il est avec sa petite copine. Ils vivent ensemble. Donc, tu vois un peu. Il n'est pas seul. Donc, le téléphone à tout moment. Tu connais nous, les filles. Nous sommes des sorcières. Quand on a nos copains, le téléphone là. N'importe quel message qui entre que je suis à côté, je vais dire donne-moi. Donne-moi vite, donne-moi vite. Si tu ne me donnes pas, ça finit là notre mariage. Hein. Moi, je badine pas les dents. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas trop accès, je n'utilise pas trop le téléphone. Voilà. Il a identifié un autre nom là-bas. Donc, je suis obligé de faire la voix d'un homme et tout. Voilà. Et quand il vient ici, là, quand il vient déposer sa femme ici, là, il s'embrasse à la bouche. Toujours que je vais attraper la fille là. C'est parce que les États-Unis, ici, là, ils ont des lois que si c'était carrément comme au Cameroun ou bien au Gabon, bien quelque part, mouf, je vais t'attraper en route. Je vais te taper. Je te tape. Wallahi billahi. Je te gâte la figure. À me traumatiser, yo. Pécis comme ça. Et te dit, ici là, mon homme. Bon, c'était son copain. Seulement que j'ai arraché. En fait, je vole, quoi. Tu sais que nous sommes des voleuses, non? Nous, on vole toujours. Si on ne vole pas, on va vivre comment? On va vivre là, attendre le prince du charmant quand il va venir nous marier, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Entre-temps, tu profites. Parce que tu es bête. Tu es bête, tu es idiote, ou quoi? Ça, c'est son heure. Ça, c'est son heure ici. C'est son heure. Il va seulement sortir là maintenant. Il est 14h combien? 13h53. Il sort toujours. Si ce n'est pas 14h, il sort à 14h30. Il part toujours au travail. Et il revient à 19h. Et en ce moment-là, sa soeur n'est pas là. Sûrement, sa soeur a voyagé. Son ami là aussi, qui est homophobe là. Je ne lui vois pas aussi. Depuis hier, je le vois seul. Donc, les deux là ne doivent pas être dans notre état. Ils sont peut-être allés se balader ailleurs. Donc, il est là seul. Je me dis, hein, je me dis, je ne connais pas le programme. Donc, il est là. Maman, c'est l'homme qui me fait faire les tours comme ça, là. Je l'aime. Je l'aime. C'est ici, devant le miroir, qui m'avait pris. M'a pris ici, là, devant le miroir, ici. Et en plus, quand un homme me baise, oh, je suis chienne. Je suis une chienne, chérie, quand on me baise. Après, on s'embrasse.
Chienne. Hein, j'arrive, pardon. Anna, mets un bon parfum. Oh, je mets un bon parfum. Ça, c'est le premier. Il s'appelle Pur. Voilà. Attendez. Hein. Ouais, ça, c'est le premier. Il s'appelle catégoriquement Pur. Il m'a coûté 75 $. Ça, c'est eau de Cologne que vous connaissez presque tous. John Mont Blanc Légende. OK? Qui m'a coûté tous les deux 295. Bon, ici, c'est des déodorants. C'est des déodorants toujours de femmes. Des déodorants toujours de femmes. Du Dolce Gabbana. Voilà. J'en ai presque un peu de tout ici. Donc, quand vous me dites. Alors, quand vous me dites parfum, quand vous me dites parfum, pour ceux qui me connaissent, les gens savent très bien que non, je suis d'abord quelqu'un de très propre. Donc, ne vous fiez pas, ne vous fiez pas à l'image de la vidéo ou à certains faits de mes vidéos. Je suis quelqu'un qui est nickel jusqu'à l'os du cul. Très propre. Je n'aime pas des mauvaises odeurs, des odeurs d'hommes ou des odeurs femmes. Mais les femmes, c'est très difficile. Mais des hommes, tout ça là, je n'aime pas. Si tu as une mauvaise odeur, moi, je te le dis cash. Que ma soeur ou mon frère, je sens une mauvaise odeur. Tu t'es lavé depuis ce matin. Moi, je te le dis cash parce que je ne suis pas hypocrite. Bon, maintenant, quand tu me dis parfum ou bien parfum, moi, je ne mets même pas trop de parfum. Hein? Je ne mets pas trop de parfum. C'est seulement comme ça. Puf. Tu n'as pas besoin de le mettre sur des vêtements ou sous des aisselles. D'accord? Juste comme ça, pouf. Parce que même les parfums, là, ça donne même, c'est même ça même qui donne même des mauvaises odeurs. Donc, quand tu es en train de me parler de propreté ou de parfum, ma chérie ou mon cher, quand tu sauras où se trouve la boutique Dolce Gabbana et Yves Saint Laurent, bip-moi, imbécile. Bon, mes chéris, je vais vous laisser. Donc, quand je dis mes chéris, mes amours, mes amis, les gens qui m'estiment bien, qui aiment la mexicaine, je vais vous dire. Je vais vous dire. Lorsque vous me voyez. Lorsque vous me voyez, chaque minute est importante là maintenant pour moi. Une minute, même 2 secondes, c'est important parce que je ne vais pas lui lâcher. Je veux qu'il me voie. Voilà. Il adore bien me voir avec ses cheveux-ci. Parce que quand je suis avec ses cheveux-ci, je suis totalement Donna Benja pour lui, quoi. Anyway. Donc. Merci, merci d'avoir été là, merci d'avoir été fidèle. Je sais que peut-être que certains ou certaines d'entre vous, vous avez l'insomnie, n'est-ce pas? Vous n'arrivez pas à avoir sommeil. Mais je suis sûr que non, après cette belle vidéo comme elle a été, voilà, je pense que vous pourriez peut-être grignoter un petit quelque chose et après tu fais ta petite prière et puis tu dors. D'accord? Parce que je vois plus quel genre d'autre soirée que tu vas encore passer, alors que tu as déjà vu celle de la Mexicaine qui a confirmé toute ta soirée. Donc tu devrais me dire normalement merci, ok? Il va se faire baiser. Il a gâché live, bloque-le. Qui c'est? Qui a gâché live? Je bloque qui? Vous dites que je bloque qui? Je bloquais. Ma grande, c'est pas une histoire de propreté, c'est juste pour te donner une formule d'attaque pour ton gars, pour m'injurier. Ah, tu étais encore là?
Bon, ok. J'ai bloqué l'arabe. Il est encore ici. Il est toujours là. Pourquoi moi je ne vois pas son message depuis là? Arabe, commente pour que je te voie, imbécile. Bloque-nous, Tazawi. Ok, je vais le bloquer. Je vous promets qu'après la vidéo, votre Tazawi, à moins qu'il efface tous les messages, mais je vais lui retrouver, je vais lui bloquer. Il est là, la vidéo est là, faites-moi confiance, rien ne m'échappe. Hein? Vous n'avez pas confiance en votre personne. Je vais le bloquer, laissez-le danser comme il danse là. Ah, c'est lui qui s'appelle Moustassa. Ah, ok. J'ai bloqué. J'ai bloqué. Je ne savais pas que c'était lui qui avait dit sale noir là. Je ne lui voyais pas. Maintenant, je l'ai bloqué alors. J'ai bien intercepté son message. Lui-même, il voulait que je lui bloque. Vous allez voir les hommes comme ça là. Hein? Vous allez voir les hommes comme ça là. À chaque fois que non, il me voit tellement, je l'ai tellement obsédé, tellement je suis belle pour lui. Il a envie de me baiser. Il voit les vidéos, les cancans vidéos. Il voit comment je. Comme le gars, si je vais le baiser. Donc, il fascine quoi. Donc, il voit que c'est impossible. Donc, il devient fou. Vous savez quand quelqu'un devient fou, non? Regardez quand tu es en train d'aimer un homme comme je fais là. C'est rendre quelqu'un fou, non? Folle, non? Ah. Ok. Mais le gars là ne veut pas venir. C'est sûr qu'il soit à 14h30. Je ne l'échappe pas. Je suis balle au pied avec lui aujourd'hui. Mais je ne sais pas. Je vais baisser le téléphone pour que vous écoutez seulement sa voix. Parce que lui-même, sa voix me fait jouir. Seulement sa voix. Quand il parle tellement doucement, il est tellement doux, il est tellement bien. Tu vois, non? Donc pour lui, seulement quand j'écoute sa voix, si je suis à côté de lui, je jouis, hein? Je jouis. C'est pas que j'ai l'éjaculation précoce, mais il nous arrive parfois que non, l'idée est tellement grande et puis tu jouis, hein? Tu te mouilles, hein? Comme les filles. Nous sommes les filles, non? On se mouille, non, maman? Nous sommes des filles, on se mouille toujours. De temps en temps, il faut mouiller. Ou on te mouille, ou toi-même tu te mouilles. Aujourd'hui là, il ne va pas m'échapper. Aujourd'hui là, il ne m'échappe pas. Il va bientôt sortir là. Il ne m'échappe pas aujourd'hui. Laissez-moi. J'arrange encore bien mes lèvres. Il adore mes lèvres. Il adore sucer mes lèvres. Maman, quand le gars là me mange la bouche, me dit seulement que pardon, ne m'arrache pas les lèvres ici. Tu vois comment il mange, hein? Moi, je vais attraper les lèvres du haut. Lui, il est en train de vouloir m'attraper toute la bouche. Je vous dis la vérité. Parfois, il ouvre la bouche, hein. Il ouvre toute la bouche comme ça, là. Il m'avale, non? Comme la baleine. Il avale toute ma bouche, c'est. Il dit, mange, non? La dernière fois, il m'a croqué. Je l'ai giflé, hein. Je lui ai dit, ne me fais plus jamais ça. Je n'aime pas ça. Il m'a dit, pourquoi tu me gifles? J'ai dit, je n'aime pas ça. Arrête ça. Il s'est fâché. Il m'a dit, mais bébé, on est en train de s'amuser, non? J'ai dit, mais tu t'amuses à me taper. Est-ce qu'on tape sur les points, on blesse sur les points sensibles comme ça? Hein? Sur les points sensibles comme ça, là, tu viens me blesser et tout, j'ai mal. Hein? Les lèvres, c'est quelque chose qui est sensible. Hein? C'est la peau du pied. Hein? Ou la peau de c'est comme la peau de la cuisse. Si on te pique là la cuisse là, le cri que tu vas donner, hein.
je vous laisse. Portez-vous bien. J'ai été heureuse d'être avec vous. Passez une belle nuit, passez une belle soirée. Et merci pour tout. Merci d'être fidèle à la Mexicaine, à la Queens. Voilà, parce que je suis une Queens, je suis une princesse. Voilà. Non! Je l'ai déjà bloqué depuis Tazawi. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis merci pour tout. Salut chapeau Kalamongo. Et pour mon lien PayPal, vous pouvez m'écrire sur ma page. Toi qui es là ton cul, vous pouvez m'écrire sur ma page et je vous envoie le lien PayPal pour envoyer quelque chose que vous pouvez envoyer. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été fidèle à moi. Et portez-vous bien. Merci de ton mot. Et sur ce, je vous embrasse très fort et à très vite. N'oubliez pas, hein? N'oubliez pas pour les dos. Comprenez, non? N'oubliez pas pour les dos. Je vais envoyer. Écrivez-moi seulement. Moi, je vous envoie seulement le lien. Pour celui qui veut envoyer, je n'ai pas dit que j'ai obligé. Je ne suis pas en train d'escroquer. Je suis en train de les demander parce qu'on a dit que je quémande. Donc, je quémande encore bien pour que vous sachiez que je suis en train de quémander. Pour vous dire que ce n'est pas vous qui me nourrissez. Mais j'ai des vraies personnes qui m'envoient. Donc, je suis star. Je dois manger. N'est-ce pas? Mon temps que je paie là. C'est vous. Si elle tombe là, je meurs là. Donc, merci d'avoir été là et je vous fais un grand coco. Sûrement, nous aurons peut-être, sûrement, nous aurons peut-être une musique ce soir. Je ne sais pas quel genre de musique que je vais danser aujourd'hui. Mais je ne sais pas, c'est pas trop, c'est pas très sûr. Voilà, c'est pas très sûr parce que je suis sur un programme que je suis en train de faire là. Donc, ils sont en train de me battre seulement. Donc, voilà. Donc, mais on va essayer de danser pour essayer d'en. Oui, voilà. Mais je préfère vous dire que je suis américain, donc si je chante, je danse des morceaux en anglais, ne m'en voulez pas. D'accord? De toutes les façons, tout ce que je fais est toujours sexy. D'accord? Love you so much. And thank you to be here. Have a good night in the world. And have a good afternoon in the USS. Love you.